Là, je suis en mesure de vous donner le sexe de l'enfant si vous le souhaitez. Non, mais si on veut attendre la naissance. Je sais pas, je crois que j'aimerais bien savoir, moi. Enfin, ça t'embêterait. Vous faites comme vous voulez, les gars. Hein. Moi, je m'en fous, c'est. Ça vous fait plaisir. Je suis au paradis, la vie n'est pas comme ça. Je veux juste savoir pourquoi tu commences une histoire pile maintenant avec un mec qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam il y a encore 3 mois et qu'on verra plus dans 2. Mais qu'est-ce que vous en sais? T'as jamais gardé un mec plus de 15 jours dans ta vie. Tu t'excuses s'il te plaît? Arrête-toi, tu penses la même chose. Et Jackie Chan, il en pense quoi de ta grossesse? Bah il accepte puisqu'il est là. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'en séparer comme ça, d'un claquement de doigts? Mais de quoi tu parles? Mais y a pas de raison. Tu crois vraiment ce que tu dis? Eh oui, vraiment. C'est exactement comme ça que je veux que ce soit. Eh ben moi, j'ai du mal à te croire. J'ai jamais eu envie d'un enfant. C'est pas en moi. Donc tu détestes être enceinte. Tu regrettes. Mais ça n'a rien à voir. Être enceinte et avoir un enfant, ça n'a rien à voir. Et comment tu le sais, puisque t'en as jamais eu? Ben, je le sais, puisque je le vis. Tu lui as dit pour tes seins, parce que ça va lui faire un choc hein, quand il va apprendre qu'en fait, t'en as pas. Oui. Ah, comme il est beau. Ça te dérange pas hein? Tu sais, j'arrive à séparer ma tête de mon ventre. Ah bon? Marie. Mais du coup, je fais avec quelle partie? Ne cherche pas.